Et de retour sur Xenoblade Chronicles 3. Let me just fix this. Bienvenue à vous. Alors, dans cet épisode, on continue notre chasse aux monstres uniques. Dans cet aftergame. Comme à mon habitude, je vous demanderai de laisser un j'aime, un like sur cette vidéo. Et si ce n'est encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette si vous le désirez. Vous pouvez commenter cette vidéo sur la plateforme YouTube et partager le contenu de cette chaîne sur vos réseaux sociaux. D'avance, je vous en remercie. Cette fois de retour dans la basse forêt de Makta, près d'une porte piégée et oublié que l'on a ouverte, on découvre un dragon endormi. Et la meilleure idée que nos héros ont, c'est d'aller le réveiller. Bah voyons, bien sûr. Allez, on sort la 7 fétiche de suite. Et on frappe. Il n'a pas l'air très content. Pas content du tout, du tout. Et Noah est à terre. Allez, on l'enchaîne. Cette monstruosité est terrifiante. Je ne sais pas si on va pouvoir en venir à bout. Je lance en support. Cette fois-ci, on combat avec Nia en support. Une charge foudroyante avec Senna. On revient avec Noah. Tyon. Now for your
en support Lance. Et bien sûr, Noah. Avec son épée. La Monado. Cette fois-ci, on va choisir Nia et Mio. En support, Yuni et Lance. On est à la limite de points. On frappe de toutes nos forces avec Senna. Onde du salut, Nia. On va choisir Mio. Lance. Et Mio. Rapidité de l'éclair. Retour au combat. Mort à mille entailles. Taillon à l'attaque. Yuni en support. Avec Lance. Le dernier mot. C'est Senna. Qui va la scéner. Plus de 2 millions de points de dégâts. Ce ne sera pas suffisant. Oui, on enchaîne de nouveau. Avec Noah. Lance en support.
Senna est toujours là pour user de sa masse. Nia maintenant et assez courageux. Noah avec son épée Monado, toujours aussi stylé. Vague tyrannique avec Lance. Tayon. Yoni en support. Lance. On est à la limite de points. Il retire avec Noah. Vague tyrannique. On choisit Mio cette fois-ci. Aplatissement avec Mio. Coup de bouclier avec Senna. Rapidité d'éclair. Réactivation mort à mille entailles. Et taillade aérienne avec Noah. En support, Yoni. On est à la limite de points. Lance. Et encore une fois, Senna. On n'a pas fait autant de dégâts que l'on aurait souhaité. 2 millions. Il nous repousse, c'est bien normal, il a peur de nous. De nouveau. Noah. À la rescousse. Senna. Premier sang versé.
Lance en support. Et il retire avec Noah. Réactivation, on va choisir Land cette fois-ci. Tyon en attaque. Esprit aquatique avec Yuni en support. On est encore loin du dénouement. Noah, hydrotire, lente, vague tyrannique. Réactivation. On va choisir Tyon. Lance en support, de nouveau. Senna, toujours aussi puissante, avec son arme démesurée. Art de la soumission, Tyon. Et on n'est pas à la fin. Oui, mon arme préférée. Oui, âme contrôlée, compétence ennemie, âme ardente. Et on a une nouvelle information obtenue, les plus forts d'Ionios, 4 sur 5. On a vaincu ce dragon furieux. Oh là 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 là, quelle horreur! Nizog était vraiment bel et bien redoutable. Et mis à part ce conteneur, qu'est-ce que l'on a ici? Oh, qu'est-ce que c'est? Un trésor caché dans une grotte? Aucune idée. En tout cas, c'est à nous maintenant. Et on a le croc-croc légendaire. Eh ben, moi, je m'attendais à un truc super génial. Et je me retrouve avec un croc-croc. Que voulez-vous que je fasse de ça, franchement? Non, mais vraiment. Ça, c'est encore
un truc pour ma nana. Bon, je vais regarder sur internet à quoi ça correspond, mais... Je m'attends pas à grand chose. Allez, après ce combat horrible et très éprouvant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et de vos aimés. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis au revoir.